Vous m'avez demandé, patron? J'ai décidé de quitter le pays. Avec Greg, pour un petit moment. Quand est-ce que vous partez? Plus tard, dans la soirée. Je crains de ne pas pouvoir tous vous emmener avec moi. Mais je voudrais que... tu prennes soin de nos affaires. Garde un œil sur tout ici pour moi. Et alors, qu'est-ce que je dois faire, patron? Sarah, je veux que tu surveilles Erika. Ne la perds surtout pas de vue et garde un œil sur le NBI. Aussi, tâche de découvrir l'homme qui se dresse contre nous. Et après, je fais quoi? Si on ne peut pas les utiliser, et si on ne peut pas les maîtriser, tu vas les éliminer tous les deux. Tu auras besoin de ça. Je peux compter sur toi, Sarah? Vous pouvez compter sur moi. J'ai déjà loué un yacht qui nous conduira à Taïwan, Greg et moi. Mais il me faut quelques hommes au cas où il y aurait du grabuge. Rassurez-vous, patron. Nous allons vous accompagner. Nous veillerons à votre sécurité. Et, patron, qu'en est-il de l'argent? J'ai chargé quelqu'un de le trouver, t'en fais pas. On finira par mettre la main dessus. Très bien, alors. Le grand patron est à l'intérieur avec ses hommes. Il est fortement protégé. Il attend son fils pour quitter le pays. Où est l'argent? Ils ne l'ont pas avec eux, mais quelqu'un le cherche en ce moment. Allons-y maintenant, attaquons-les! Non, une seconde, attends un peu. Je crois que j'ai un bien meilleur plan. Ginny? Pourquoi tu pleures? Mais qu'est-ce que vous faites ici encore? Je suis venue voir si tu allais mieux. Je suis certaine que tout le monde te manque, ta mère, ta sœur, et aussi toute ta famille, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous savez de ce que je ressens? Vous me connaissez même pas. Oui, mais je comprends ce que tu ressens, tu sais. Comme toi, j'ai perdu quelqu'un, moi aussi. Mon fils Jolo a disparu. Et ça fait mal, je le sais. C'est comme si... peu importe la souffrance et combien de temps, tu vas pleurer, la douleur est toujours là. On croit parfois s'en être remis, et puis on se souvient les avoir perdus. Et ça, c'est très dur à accepter. Mais comment... comment votre garçon est mort? On m'a dit qu'il faisait partie de ceux qui ont péri dans l'explosion du Paraíso. Mais je suis persuadée qu'il est vivant quelque part. Je continue d'espérer que je puisse le revoir. Alors je ferai tout mon possible pour le retrouver. Vous savez, Erika, je vous envie tellement. Ma mère et ma sœur ne reviendront plus jamais. Les assistantes sociales m'ont dit qu'à ma sortie de l'hôpital, je serai placée dans une famille d'accueil. Mais je veux pas. Je veux pas vivre avec des inconnus. Je veux mon papa et mon grand-père. C'est ma famille. Je suis prêt pour une nouvelle intervention. Le médecin vous attend à l'intérieur. D'accord, on y va.
qu'il y a? Je suis persuadée que ton papa va venir te chercher, parce que aucun parent ne laisserait tomber son enfant. Alors si je comprends bien, vous êtes venu pour ça? Vous voulez que mon père soit arrêté? Je voudrais juste lui parler. Je sais que mon fils est toujours vivant et ton père pourrait savoir où se trouve Jolo. Alors vous croyez que c'est mon père qui a votre fils? Et vous voulez qu'il soit arrêté? C'est ça? Je veux juste retrouver mon fils, tu comprends, Ginny? Allez-vous-en! Vous voulez faire arrêter mon père et mon grand-père! Et je vous déteste! Ginny! Allez-vous-en! Fichez-moi la paix, ne revenez plus jamais! Quoi? La dernière fois, je vous avais demandé de partir. Et vous êtes revenu en prétendant être une infirmière. Vous croyez me duper, mais vous avez tort. Fichez le camp d'ici! Partez, laissez-moi tranquille! On pourrait peut-être se voir demain. Je suis toujours occupé. Merci et désolé encore une fois. Docteur. Suivez-moi immédiatement. On y va. Excusez-moi, madame, qui êtes-vous? Vous êtes de la famille? Non, je suis sur le point de partir. S'il vous plaît, vous devriez absolument demander du renfort. Greg va sûrement venir récupérer sa fille. Très bien, alors. Les gars, Erika vient de m'appeler. Elle a suivi Greg. Il est en route vers l'hôpital où Ginny est hospitalisée. Il a probablement l'intention de l'emmener avec lui. En route, les gars, on se bouge! Oui, chef. Oui, chef. Allô? Allô, c'est bien le NBI? Oui, qui est à l'appareil? J'ai des informations concernant l'endroit où se cache Fabian Solomon. Qui êtes-vous? Pour le moment, ça n'a pas d'importance qui je suis. Le plus important, c'est d'arrêter Fabian Solomon. Hein? Où ça? Mais que se passe-t-il? Dites-moi ce qui se passe. Ce sont les flics. Oh mon Dieu, c'est Greg Solomon. Ils l'ont arrêté enfin. C'est Greg, ils l'ont arrêté. Enfin, il va payer pour ses crimes. Je te retrouverai. Souviens-toi. Souviens-toi de mes paroles, arrêtez, je te retrouverai. Arrêtez de la menacer. Ça suffit, arrêtez. Allons-y.
garder l'œil ouvert en permanence. Oui, patron. Oui, patron. On y va, vous deux, à vos postes. Agatha ? Patron, Greg vient d'être arrêté. Comment ? Il a été arrêté ? Oh mince ! Pourquoi tu as laissé faire ça ? Quand on est arrivé, les agents du NBI l'avaient déjà arrêté, je suis désolée. On ne pouvait rien faire. Patron, vous devriez vous enfuir immédiatement. Allez les gars, on se bouge. D'accord, patron. Oui, patron. Oui, patron. Allez, on se casse. Mais roule doucement. Quelqu'un pourrait nous voir ici. Allez, dépêche-toi. Fabian Solomon. Arrêtez-les. On y va. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous. Vous voyez ? Ce fut plus facile qu'on ne le pensait. Le grand patron vient d'être arrêté. Et maintenant, il est grand temps de prendre ma revanche. Monsieur Marciano, comment avez-vous réussi à arrêter le criminel le plus recherché du pays ? Monsieur Solomon, est-il vrai que le Paraíso vous appartient ? Dites-nous, s'il vous plaît. Bougez-vous, laissez passer. Regardez par ici. Erika. Oh, est-ce que ça va, chérie ? Erika, tu es blessée ? Je vais très bien. La police et le NBI étaient déjà prêts, donc il n'y a pas eu de fusillade. Oh, mon Dieu, si j'avais su que ça arriverait quand tu as quitté la maison, on aurait pu t'aider. Moi non plus, j'avais pas prévu ça. Comme je venais de voir Greg Solomon sur la route, j'ai décidé de le suivre. Aussitôt, j'ai appelé le NBI et je leur ai fait savoir qu'ils se dirigeaient vers l'hôpital. Attends, ma chérie, comment est-ce que t'as retrouvé sa planque ? Quelqu'un d'autre a signalé la cachette au NBI. Alors, Monsieur Marciano a aussi arrêté Fabian. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte pour nous pour l'instant, c'est que tout soit terminé. Ils ont tous été arrêtés. Mais maman, les Solomon n'ont pas encore révélé où se trouve Jolo. Où est Jolo ? Ça suffit. Mais où est mon fils ? Vous l'avez emmené où ? Alors vous êtes satisfaite. Pour le moment, vous avez gagné la partie. Mais au milieu de tous mes ennemis, vous pensez qu'une vulgaire stripteaseuse peut me mettre à terre ? Tais-toi, salaud ! Laisse-moi faire ça ! Espèce de monstre ! Il est mort. Il a explosé avec le Paraíso. Je ne vous crois pas, sale menteur, je l'ai vu ! Il est vivant ! Il était avec une femme. Je sais pas où ils allaient, mais je sais que c'est vous qui vouliez le prendre. Et même si votre fils est encore en vie, acceptez que vous l'avez perdu pour de bon. Parce que vous ne le retrouverez plus jamais et il ne reviendra pas vers vous. Comment osez-vous ? Erika, espèce d'enfoiré ! Arrêtez ça ! Je vais vous tuer ! Erika, emmenez-les à l'intérieur ! Lâchez-moi ! Hey, lève-toi. Sors d'ici tout de suite. Dépêche-toi, allez, on se bouge. Madame, est-ce que vous m'emmenez chez ma mère ? Ne sois pas aussi têtue, bouge-toi. Allez, viens, tu en verras plus jamais ta mère. Allez, on y va, avance. Oh, et Jolo, comment va-t-il ? Eh bien, il est en phase d'adaptation. Mais bon, bien entendu, il est heureux d'avoir un père qui l'aime profondément. Un jour, j'espère qu'il acceptera sa tante Eddie, comme étant sa nouvelle mère.
Tu ferais mieux de t'en assurer, parce que je ne veux pas de problème. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter Davao. Il se peut que nos amis et voisins se demandent comment se fait-il que nous ayons soudainement un nouveau fils. Et puis, Erika est originaire de Davao. Elle pourrait y retourner. Alors il vaudrait mieux rester à Ilocos. Ma femme est originaire d'ici. Erika ne le sait pas. Quoi ? Erika et moi, on a un fils. Oui. Appelle-la maintenant et dis-lui que tu veux que ton fils revienne au plus vite. Et alors ? Il sera juste une bouche de plus à nourrir. Pas de panique, ne vous en faites pas. On va vous verser une pension mensuelle. C'est pas si terrible, non ? Ça n'arrivera certainement pas. Mais on a toujours rêvé d'avoir un fils. C'est notre chance. Notre propre fils. Je vais pas prendre soin du fils d'une autre femme, non mais ça va pas, je me fiche de ce que tu veux. Mais on n'arrive pas à faire un bébé. Les médecins nous l'ont tous confirmé. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Parfait. Je suis d'accord, mais je dois admettre que nous sommes fauchés. Tu as dit alors qu'Erika est une Bermudaise. Ils sont riches, pas vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va prendre en charge toutes vos dépenses éventuelles. Pour aussi longtemps que cette histoire tourmentera Erika. Mais il faut quand même faire attention. Toujours garder à l'esprit que personne ne sait que le gamin est chez toi. Si quelqu'un le découvre, on aura tous les deux de gros ennuis. Mais pas seulement avec Erika, mais aussi avec Rocco. Erika n'a jamais abandonné la poursuite des Solomon. Alors le grand patron a décidé de lui donner une autre raison de s'inquiéter. Jolo ! Je me doutais que le grand patron se servirait du gamin pour faire souffrir Erika. Mais jamais je n'aurais cru qu'il se retrouverait dans un tel pétrin. Jolo ! Jolo ! Et quand Paraiso a explosé, ils l'ont abandonné là-bas. Jolo ! Et on l'a trouvé allongé par terre. Alors Rocco l'a emmené avec nous. Allez, dépêche-toi, on y va. Juancho. Le gamin a mangé? Non, pas encore, il est vraiment têtu. Et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, Rocco? Et puis pourquoi on l'a amené ici? Il a l'intention de vendre le gamin. Il va le vendre? Je cherche des acheteurs étrangers. Et de cette manière, on va pouvoir se débarrasser du gamin une bonne fois pour toutes. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on peut pas le vendre? Le gamin est sur toutes les chaînes de télévision en ce moment même. On n'a qu'à le rendre à Erika, avant d'avoir d'autres problèmes. Le petit ne sait rien de nous, de toute façon. T'as complètement pété les plombs, hein? Réfléchis un peu, si on le rend maintenant, il pourrait nous dénoncer. Si je peux pas vendre ce gamin, je suis presque sûr que... ton frère le fera tuer. Le plus gros problème, c'est que Jolo a déjà d'accord, vu nos visages. On va vous attendre. Je vous remercie. On a donc fait de notre mieux afin de dénicher un acquéreur pour le môme. J'ai déjà parlé avec un client. C'est un couple australien et ils sont intéressés par Jolo. Ils arrivent demain. Je suis content de l'entendre. Mes acheteurs potentiels se sont désistés. J'espère que ton couple va l'acheter. On a un grand besoin d'argent et il est temps de se débarrasser de ce petit. Salut, Julio. Comment ça va? Hey. N'aie pas peur. C'est le gamin dont tu parlais? Tu m'as dit qu'une famille européenne était intéressée, pas vrai? Alors il est à toi. J'ai vu ce gamin à la télé. Le NBI est à sa recherche en ce moment. Mais non, pas du tout. Il croit que le gosse est mort. Il n'y aura pas le moindre pépin. Pas du tout, Rocco. Si quelqu'un le voyait avec moi avant qu'on le fasse sortir en douce, on pourrait croire que je l'ai kidnappé. Il va m'attirer des ennuis. Vends-le à quelqu'un d'autre. N'aie pas peur, assieds-toi. Je suis désolé, mon vieux. Rocco, c'est le quatrième acheteur. Je vais en chercher un autre. Tout le monde dit la même chose. Il est recherché par les flics. Personne ne veut de lui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je devrais peut-être le rendre à Erika. Tu le rendras à Erika. Il en sait déjà trop. Et il a vu nos visages en plus. Et maintenant, tu veux le rendre à Erika? Si je peux pas profiter de ce gamin, alors débarrasse-toi de lui tout de suite. Quoi? Se débarrasser de lui? Et c'est comme ça que Jolo a été condamné à mort. Jolo. Qu'est-ce qu'on fait ici, mademoiselle? On va jouer à cache-cache, tu veux bien? Tout va bien se passer. Je veux retrouver ma maman, s'il vous plaît. Ça va aller.
J'ai fait des tas de vilaines choses dans ma vie. J'ai tué des gens. Je ne pourrais jamais me remettre de tuer un enfant. C'est un garçon que je connais déjà. Et il est innocent. Jolo ? Jolo, écoute-moi. On ne va plus jouer à cache-cache, d'accord ? Si on allait manger quelque chose, arrête de pleurer, tu veux ? Hein ? Allez, viens. Viens avec moi. Viens. Monsieur, vous pouvez conduire un peu plus vite. Je ne pouvais pas le ramener à Rocco. Sinon, c'est sûr, il allait le tuer. Et je ne pouvais pas non plus le rendre à Erika, puisqu'il avait déjà vu nos visages. Donc j'ai pensé à toi. Tu es la seule personne qui peut le protéger. Et le garder loin de tout ça. J'étais sur le point d'arriver quand Erika a failli nous attraper. Jolo ! Jolo ! Pitié, monsieur, arrêtez-vous ! Mon fils est dans votre taxi ! Je crois qu'elle vous parle. Jolo ! Elle vous appelle. Chérie ! Roulez et ne faites pas attention à cette femme. On ne la connaît pas. Vite, dépêchez-vous ! Dieu merci, j'ai réussi à échapper à Erika. Et je t'ai ramené Jolo sans le moindre accroc. Le destin a fait en sorte que tu puisses avoir Jolo avec toi maintenant. Ne bouge pas d'ici. Ne retourne pas encore à Manille. Sois un bon père pour ton fils. C'est aussi mon intention. Merci beaucoup, Sarah.